on a dans cette capsule la participation de Bruno Boulet pour le projet Sylviculture CCC, ça veut dire changement climatique et connectivité. Bruno va nous introduire sur des notions de cycle de l'eau et de la forêt. Je te laisse, Bruno, la parole est à toi. D'accord. Mais bonjour à tous. J'aimerais ce matin vous entretenir d'un sujet qui a attiré mon attention à partir d'une phrase un peu philosophique qui avait été écrite par un gourou indien et qui disait que la plupart des gens pensent qu'il y a des arbres à cause de l'eau, mais il s'avère plutôt qu'il y a de l'eau à cause des arbres. Ça change un peu le paradigme de l'image qu'on peut se faire. Et j'ai décidé de fouiller un peu dans la littérature scientifique pour essayer de vous montrer un peu les fondements qui sont derrière tout ça. Et c'est ça que j'aimerais vous présenter. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer la pertinence du sujet par rapport à vos préoccupations. Vous avez tous vu dans tous les bouquins le cycle de l'eau qui est finalement un élément essentiel qui finalement le cycle de la vie dans la nature, hein. Où est-ce que les arbres évaporent de l'eau, ça se condense dans la partie aérienne et par la suite ça génère des précipitations, l'eau descend, est absorbée par les arbres, est absorbée par le sol, il y a percolation, ruissellement, puis le cycle recommence. Mais ce qui est intéressant de savoir dans ça, c'est que dans le cycle de l'eau, il y a des éléments méconnus qui ont été découverts plus récemment, qui sont le rôle du déficit de pression de vapeur, qui peut un peu bouleverser le cycle de l'eau, de même que les composés organiques volatiles qui sont émis par les arbres et qui sont un élément essentiel à la formation des nuages. Ces éléments-là ne sont pas connus. C'est ça que j'aimerais vous faire pour vous montrer. De façon générale, dites-vous qu'une forêt, ça évapore de l'eau, donc c'est une pompe. C'est une pompe biotique. Il y a des causes qui sont associées au ralentissement possible d'une pompe biotique, c'est les saisons. Bien, vous allez comprendre que les arbres n'ont pas de feuilles durant l'hiver, donc ça veut dire dans l'hémisphère boréal, la pompe est au ralenti. Alors, tout le monde va comprendre ça. L'intéressant, c'est de voir aussi les effets de la déforestation, le morcellement des terres et le drainage des terres humides. Ça, c'est à l'échelle mondiale, partout, ça s'exerce, parce que c'est en lien directement avec une diminution des coves, puis l'augmentation du déficit de pression de vapeur. Ces notions-là, je vais vous les expliquer pour que vous compreniez bien. Et aussi faire le lien avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique. À partir du moment où est-ce que le déficit de pression de vapeur est élevé, ça occasionne des stress, puis ça amène des sécheresses. Je vais y revenir. C'est simplement l'image que je veux vous garder en tête pour quelques minutes. Je vais prendre le temps de vous expliquer ça, parce qu'il fallait que je vous dise d'avance où je m'en allais avec mes skis pour que vous ayez une idée de ce que je veux vous montrer. Dans un premier temps, dites-vous qu'un arbre, ça transpire énormément. Dans l'eau qui est emmagasinée dans le sol, il y en a 95% qui sont évaporés dans l'air. Il y en a juste 5% qui servent à la croissance. On ne pense pas ça, là, mais c'est la réalité. Chez un homme, par exemple, en ville, c'est 30-80 litres d'eau par jour. Un chêne rouge mature, c'est 200-400 litres d'eau par jour qui sont évaporés. Les bouleaux, c'est variable parce que, dépendant de la grosseur de la cime, ça peut varier de 40 à 150 litres d'eau par jour. Mais à l'échelle d'une forêt, c'est quand même assez important. Dans une hêtraie, là, en termes de volume d'eau qui s'évapore par jour, c'est 38 000 litres d'eau dans une forêt de hêtres. Et ce qui pourrait être calculé en termes de volume par hectare par an, c'est 3 000 à 4 000 tonnes d'eau selon les régions qui pourraient s'évaporer. Donc, c'est vraiment pas négligeable la part de l'eau des arbres qui s'évapore dans l'air. Si on fait un bref survol, il y a des forêts qui sont absolument incroyables. Si on regarde la forêt des séquoias dans l'ouest, tous les arbres sont alimentés par ce que j'appelle des vents, un brouillard permanent qui amène l'eau dans la cime des arbres et qui peuvent alimenter directement le feuillage. Donc, les arbres ne puisent pas leur eau seulement par les racines. Il y a une partie aussi qui est absorbée par le feuillage directement. C'est la raison pour laquelle les grands séquoias géants qui ont 100 mètres de hauteur, puis un diamètre absolument incroyable,
La masse racinaire représente à peine 6 %. C'est pour vous montrer l'importance là, des nuages qui aident les arbres à s'approvisionner en eau. Donc, la cime qui est dans le brouillard, 100 mètres d'altitude, ça absorbe 25 % des besoins en eau. C'est pour ça qu'un séquoia géant, ça peut représenter 1000 d'eau par jour évaporée. C'est des cas extrêmes, vous allez me dire, là. Mais c'est pour vous montrer que ce phénomène-là, ailleurs, dans d'autres régions du monde, c'est vraiment spectaculaire. Regardez ici, par exemple, une pompe biotique amazonienne. C'est assez particulier, là. Il y a beaucoup de chiffres, là, mais je veux retenir deux choses essentielles. La pluie qui tombe, il y a une grande partie qui est interceptée par la voûte de la canopée et tout de suite retournée vers l'atmosphère. Dans l'Amazonie, bien, ça représente 22 % de l'eau qui retourne directement à l'atmosphère juste parce qu'elle est interceptée par la pluie. Alors que la transpiration dans la partie supérieure des arbres, c'est 26 % de l'eau. Donc, vous pouvez comprendre que en forêt amazonienne, il y a 60 % presque de l'eau qui est retransmise pour générer les nuages. C'est là que ça a été étudié le plus parce que c'est une forêt qui est absolument exceptionnelle, parce qu'elle a beaucoup d'attributs, elle a une grande diversité, il y a des arbres à tous les étages, un peu comme chez nous avec nos érablières, nos forêts mixtes, où on a quand même des forêts qui peuvent, en structure, en composition, ressembler un peu aux forêts amazoniennes, mais sans avoir la grande diversité d'espèces qu'on peut y voir. Chez nous, au Québec, on a quand même le phénomène de pompe biotique. Ici, vous voyez l'image prise à Vertier-sur-Mer, à Montmagny. Ce que vous voyez en face, ce sont les contreforts des Laurentides à la hauteur de Montmagny. Le fleuve n'est pas tellement large, là, mais au fur et à mesure qu'on se déplace vers l'est, le fleuve élargit et il y a un apport d'eau humide qui vient de la mer, qui rentre dans les terres, qui est de plus en plus importante. Ça veut dire que la pompe biotique, ça marche de manière suivante. Il y a transpiration par les arbres. À partir du moment où est-ce que l'air se charge d'humidité, il y a un appel d'air humide qui se fait au-dessus des forêts. Ça amène un appel d'air humide. Ça veut dire qu'il faut qu'on remplace l'air qui monte en altitude. Donc, c'est le vent frais et humide qui vient du fleuve qui vient prendre la place. Comme c'est chargé d'humidité, le vent vient s'installer dans les... le long de la côte, tout le long du fleuve. Et il y a un phénomène de condensation. La condensation est accélérée par des petits aimants microscopiques qui sont les aérosols dans le sol, dans l'air, qui sont émis par les arbres. Puis ça sert d'aimant pour vraiment favoriser la condensation. Par la force des choses, il y a formation de nuages et la formation de nuages emmène des précipitations. On le voit très bien ici sur l'image. On voit qu'il y a des cellules orageuses régulièrement qui se voient comme ça sur une base régulière tout le long de la côte et qui vient du fait que les forêts évaporent de l'eau. Ça explique aussi le fait que région de Baie-Saint-Paul, la Malbaie, ce sont les régions les plus pluvieuses du Québec. Hein? Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ce phénomène de pompe biotique, ce n'est pas facile à illustrer chez nous parce que c'est rare qu'on ait des images pour le montrer. Mais vous comprenez maintenant comment ça fonctionne. C'est vraiment les arbres qui génèrent l'humidité puis les nuages. Puis c'est les nuages qui, après ça, génèrent la pluie et non pas l'inverse. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est les composés organiques volatiles qui sont présents dans l'air. Ce sont des aérosols. Vous avez entendu parler beaucoup des aérosols récemment, mais dans la nature, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont produits par les arbres, il y en a qui sont produits par la pollution. Là, on ne parlera pas de ça, mais c'est important que vous sachiez ça, là. Les COV qui sont produits par la pollution, c'est ça qui génère le smog dans les villes. Mais ça représente que très peu des aérosols présents dans l'atmosphère. Ce sont plutôt les arbres qui en génèrent tout près de 200 000 composés différents. Ce sont des terpénoïdes généralement émis par les arbres. Ça représente vraiment une grande proportion qui est émise par les arbres. Les arbustes, un peu moins, puis les cultures agricoles, très peu en comparaison. 70 % pour 10 %. C'est vraiment au-dessus des forêts que c'est généré. Et ces éléments-là,
que vous ne connaissez pas, mais qui sont présents dans l'air, mais ça aide, par exemple. C'est des substances de défense que les arbres émettent pour lutter contre les insectes, les maladies. Ça peut être aussi des composés organiques volatiles qui attirent les pollinisateurs, hein, pour pouvoir favoriser la production de semences. Donc, ces substances-là sont vraiment émises par les arbres, il y en a un grand nombre. Dites-vous qu'à partir du moment où ces petites particules-là sont émises dans l'air, ça se trouve être des aimants qui viennent, sur lesquels viennent s'agglomérer des molécules d'eau. Donc, c'est un élément déclencheur de la condensation de l'eau dans l'air. À partir du moment où il y a beaucoup d'aérosols, il y a beaucoup de coves, donc ça favorise beaucoup la condensation. C'est pour ça que les massifs forestiers sont générateurs de pluie parce que les nuages se forment au-dessus des massifs forestiers et non pas au-dessus des déserts, au-dessus des masses d'eau, puis encore moins dans les champs. Ça se forme au-dessus des forêts. Donc, c'est intéressant de comprendre ce phénomène-là qui est très, très nouveau. Hein. Là, 15 ans, on ne parlait pas de ça. Donc, c'est vraiment des choses nouvelles dans la littérature scientifique. Ça, on peut le voir mieux avec des exemples très spectaculaires, comme par exemple la forêt de nuages au Costa Rica. Tout le monde a entendu parler. Les coves, ça provoque énormément de condensation de l'air humide. On les appelle les forêts de nuages, pas pour rien, parce que c'est une forêt qui est très luxuriante, explosive de biodiversité, puis une extraordinaire pompe biotique. Puis, même si c'est situé à 1500 mètres d'altitude, le soleil a même du mal à percer le voile de nuages qui est causé par ces forêts-là. C'est un exemple qui est plus éloquent que chez nous, mais c'est tout de même un phénomène qui était très bien documenté. Donc, chez nous, la pompe biotique, bien, très souvent, on va la voir le matin très tôt. Là. Quand on se lève très tôt, au mois de septembre, quand les nuits sont fraîches, on voit cette brume qui se présente dans les champs. Mais comme le déficit de pression de vapeur augmente beaucoup dans les endroits ouverts, aussitôt que le soleil se pointe le nez, la température augmente, l'humidité de l'air diminue au-dessus des champs, puis très rapidement, vers une heure plus tard, il ne reste plus rien dans le champ, la brume a complètement disparu. Par contre, en forêt, à cette période-là, vous avez encore une rosée qui peut percer jusqu'à 10 heures du matin. Là. On va se mouiller le bas des pantalons là, si on se frotte dans la végétation au sous-bois là, à cette période-là. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de transpiration qui se fait au-dessus des forêts, puis ça dure plus longtemps en forêt et au-dessus des forêts que dans un champ agricole. C'est une image, je pense, en dit long. Puis, les fameux coves, comme je vous ai dit tantôt, ils ne s'en produisent pas beaucoup au-dessus des champs par rapport à ce qui se produit en forêt. Donc, ça veut dire que la condensation à l'origine des nuages est beaucoup plus efficace au-dessus des forêts que nulle part ailleurs dans le monde. C'est vraiment ça qui est l'élément intéressant à savoir. Donc, je reviens sur la première diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, en disant que les causes de ralentissement de la pompe biotique, bien, c'est les saisons, qui est dû au fait que les arbres en hiver, ils sont pas mal moins actifs dans l'hémisphère boréal. L'aspect déforestation, morcellement, les terres agricoles, ça a directement un effet, ça diminue la quantité d'aérosols qui sont produits dans l'air, parce que s'il y a moins de forêts, il y a moins de composés organiques volatiles qui viennent des arbres, ça diminue le phénomène de condensation qui se fait autour de ces petits aimants-là qui attirent l'eau. Donc, ça diminue la formation de nuages, ça diminue les précipitations par la force des choses. Et avec le réchauffement climatique, bien, on a une augmentation du déficit de pression de vapeur de l'air qui fait que plus il fait chaud, plus l'air est sec. Si l'air est sec, ça veut dire que ça demande beaucoup aux arbres. Donc, dans les faits, la sécheresse, ça augmente le déficit de pression de vapeur, dont on dit l'air est plus sec, ça crée une diminution de l'eau dans le sol. Ça augmente le stress hydrique des arbres, ça diminue la transpiration des arbres parce qu'à partir du moment où ils commencent à manquer d'eau dans le sol, puis que ça attire beaucoup, les arbres vont fermer l'oustomate, puis ça va diminuer la condensation, puis ça va diminuer les pluies qui viennent par la suite. Voyez-vous, tout est interrelié. Donc, ces éléments-là ne sont pas faciles à vulgariser, puis dire ça dans 15 minutes, là. Mais ça vous montre à quel point les connaissances nouvelles dans le domaine changent un peu notre façon de voir les choses qu'on a apprises un peu plus jeune à l'école. Et pour moi, c'était une révélation quand j'ai compris ça. Je me suis dit que ça mérite d'être expliqué.
et être mis en contexte par rapport à nos activités que nous réalisons à l'échelle des paysages forestiers. Donc, c'était l'essentiel des propos que je voulais vous tenir ce matin. Si jamais ça suscite de l'intérêt, eh bien, vous pourrez toujours vous procurer un ouvrage qui est à veille de paraître et qui vont vous expliquer ça un peu plus en détail, ce phénomène-là, avec tous les arguments et les références scientifiques qui sont à côté à ça. Et c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, Bruno, pour l'effort de vulgarisation sur un sujet où il y a de la physique des fluides, il y a de la chimie, et je pense que c'est réussi. Je suis avec Marie-Laure Lusignan, étudiante à la maîtrise dans le contexte de foresterie autochtone. Et le but de cette capsule est de présenter au comité une perspective vue de la forêt publique. Donc, notre comité travaille en forêt privée, mais c'est très enrichissant de connaître les défis qu'il y a aussi pour la forêt publique. À toi la parole, Marie-Laure. Je te remercie, Karine. Alors, bonjour à toutes et tous. En fait, aujourd'hui, je vous propose d'explorer... En fait, d'abord, mon projet a été mené en collaboration avec la communauté Atikamekw de Wemantashi, qui se trouve en Mauricie. Et en fait, aujourd'hui, je vous propose d'explorer de quelle manière la perspective holistique, qui est très importante chez les peuples autochtones, peut représenter une source importante de connaissances et très intéressante, en fait, dans cette perspective-là pour aborder le territoire et peut-être même plus encore dans le contexte des changements climatiques. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je parle des Atikamekw Nehru-Wiziwak, puisque c'est ça, mon projet a été mené en collaboration avec cette nation, mais plus précisément avec les Atikamekw de Wemantashi. Donc, je vais vous présenter un peu cette nation qui comprend près de 8000 membres et vivent majoritairement dans les trois communautés qui sont Abidjiwan, Wemantashi et Manawan. C'est une nation qui, en fait, qui parle encore quotidiennement la langue Atikamekw. Donc, près de 95% de la population parle la langue. Et dans des recherches, en fait, ce qui ressort, c'est aussi que lorsqu'ils vont sur le territoire, c'est la langue qu'ils vont parler, la langue Atikamekw est une langue du territoire. Ils vont parler presque uniquement l'Atikamekw lors de leur séjour. C'est ça. Sur le Nitaskinan. Le Nitaskinan, en fait, on peut voir sur la carte, représente une forme d'œuf, donc qui est au nord de Trois-Rivières. Ça comprend un territoire d'à peu près 82 000 km², qui se situe pratiquement seulement sur les terres publiques. Fait que voilà. Ensuite, au niveau du contexte forestier, je ne veux pas m'attarder, en fait, aujourd'hui avec vous. Je ne vous apprendrai sûrement rien, mais je voulais vous présenter un peu la perspective dans laquelle je l'ai abordée. Donc, on se situe actuellement dans la stratégie qui est en place, c'est celle de l'aménagement durable des forêts, au niveau des forêts publiques, qui vise comme objectif, entre autres, de se rapprocher de la forêt dite naturelle. Puis pour ça, on a identifié des enjeux d'aménagement, des enjeux écologiques. Puis parallèlement, on cherche à répondre aux préoccupations des différents usagers de la forêt par l'entremise des consultations, des ententes d'harmonisation. Cependant, en fait, il persiste des insatisfactions par rapport à la santé de la forêt et l'application des ententes d'harmonisation. Puis c'est le cas, entre autres, beaucoup au niveau des communautés autochtones. Donc, c'est dans cette perspective-là, en fait, que mon projet
si intéressés à comprendre comment prendre en considération les valeurs, les intérêts, les besoins des Atikameks de Wemantashi dans l'aménagement durable des forêts. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avant toute chose, qu'il fallait d'abord c'était s'intéresser à comprendre quelle était leur perspective et les interactions qu'ils entretenaient avec la forêt pour ensuite aborder, chercher à comprendre, à identifier des éléments à la grande question. Et finalement, ben, dans le contexte de mon projet, qui comprend entre autres une pandémie, en fait, mon projet a seulement été capable d'identifier, de répondre à cette sous-question sur la perspective et les interactions qui entretiennent la forêt. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Rapidement, ma méthodologie. En fait, mon projet, le projet que je vous présente aujourd'hui, a été élaboré avec la communauté de Wemantashi. Donc, on a d'abord travaillé avec la famille, une famille Atikamekw, au sein de son territoire familial. Par la suite, une pandémie, donc on s'est concentré, je ne pouvais plus retourner dans la communauté, donc on s'est concentré à faire une recherche documentaire. C'est ça, donc Marie-Laure a été coupée des liens physiques, de rassemblement physique pour rencontrer les familles comme elle voulait le prévoir. Donc, une documentation a suivi pour s'adapter, hein, Marie-Laure, à la pandémie. Bravo. Merci. Donc, c'est ça. Fait que finalement, la documentation a été élargie à l'échelle de la nation. Et on a regardé, en fait, l'occupation dans le cadre d'un système socio-écologique. Puis, à la suite, on a fait toute une validation de ce qu'on avait analysé avec la communauté à l'aide auprès d'un comité d'experts Atikamekw. Puis, fait que t'as quand même eu la possibilité de faire une validation avec eux là, à travers le processus. Ouais. Oui, exactement. Puis qui a été en fait un élément très important en fait sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Trois postulats en fait que je trouve qui sont ressortis comme étant essentiels dans la perspective Atikamekw du territoire. En fait, c'est d'une part le fait que leur relation ne se limite pas seulement à l'utilisation du territoire. Donc, ils ont un sentiment de responsabilité qui est très important et auprès de tous les Atikameks pour maintenir, dans le fond, dans leur rôle à maintenir l'équilibre du territoire. Ils ont aussi, dans le fond, ils se considèrent comme faisant partie de l'écosystème. Donc, ils sont... finalement, la santé du territoire va être reliée directement à leur santé en tant qu'Atikamekw. Donc, il y a vraiment ce lien-là, finalement, entre toutes les composantes du territoire, puis eux-mêmes, en fait, ils sont considérés, puis dans le fond, toute leur relation historique au territoire fait en sorte qu'ils se considèrent comme partie intégrante du territoire et de l'écosystème. Puis finalement, le dernier élément, c'était le fait que l'écosystème va comprendre pas seulement des éléments tangibles, mais aussi des éléments non tangibles, tels que la spiritualité. Donc, c'est un peu pour ça, en fait, qu'on a abordé l'occupation du territoire dans le cadre d'un système socio-écologique. Donc, on ne pouvait pas considérer... la sphère sociale sans considérer la sphère écologique et vice-versa, en fait. Les deux, il y a tout un réseau d'interactions qui constitue l'occupation, tout à fait. Okay. L'occupation du territoire. Fait que voilà. Donc, rapidement, en fait, le cadre théorique dans lequel on est parti, c'est à partir des travaux de Bellefleur, dans le fond, qui a travaillé avec les Inuits Pessamit sur la côte nord et qui a identifié le concept d'ambiance forestière qui était très présent dans la manière de percevoir le territoire et d'habiter le territoire et qui comprenait quatre grandes composantes. Puis par la suite, il s'est rendu compte en fait que ça correspondait à un système socio-écologique, ça répondait à cette perspective-là. Donc, on est parti des travaux de Bellefleur et on a construit
On a adapté les quatre composantes dans le temps pour que ça corresponde à la perspective atikamekw. Donc, ce travail-là a été fait dans le cadre de la recherche documentaire. Puis par la suite, suite à notre validation avec notre groupe d'experts, en fait, on est arrivé à... on a adapté, on a amélioré avec eux les quatre composantes et plus ce qu'elles comprennent. Oh, puis on parle de le groupe d'experts au sein des atikamekw, right? Oui, exactement. C'est ça. Puis aussi, ben, finalement, le concept d'ambiance forestière est un concept qui résonnait beaucoup aussi auprès des atikamekw. Fait qu'il y a la famille de ressources, les pratiques d'occupation, le système de gouvernance, puis le système d'organisation. Exactement. Okay. Donc, ensemble, je vais vous présenter chacune des composantes pour mieux comprendre tout ce que comprend pour eux leur perspective de l'occupation du territoire puis leur relation avec celui-ci. Donc, partons d'abord de, dans le fond, ce qu'on a regardé initialement, on est parti du territoire de Notchimik, qui est en fait la forêt vivante en atikamekw. Donc, ça comprend toutes les composantes de la forêt, des écosystèmes, des animaux, mais aussi il y a un sentiment d'appartenance. Puis en fait, ça se traduit comme étant là d'où je viens. Donc quand on a voulu s'intéresser à qu'est-ce que Notchimik peut procurer aux atikamekw lorsqu'ils vont sur le territoire, c'est quoi qu'ils vont aller rechercher? Donc, il y a quatre grandes catégories qui sont ressorties. Donc, les ressources végétales, les plantes médicinales, les petits fruits, le bois, l'écorce. Les ressources hydriques, donc les points d'eau de source pour la consommation, les ressources animales et les ressources spirituelles comme le sentiment de sérénité intérieure, l'harmonie, le sentiment d'harmonie avec notre chimique, de sécurité culturelle. Donc, c'est tous des éléments qu'elle allait se procurer, qu'elle allait rechercher lorsqu'elle est sur le territoire. Ensuite, dans le fond, sur ce même territoire se trouve tout un mode de vie qui est perpétué par les atikamekw. Donc, ce que j'entends par notre chimique Pimadziwin, c'est l'ensemble des pratiques d'occupation du territoire. Puis, certaines se qualifiaient comme des pratiques culturelles, comme la vie au camp, les activités de prélèvement de ressources, les activités de subsistance, la transmission des connaissances. On avait d'autres qui étaient davantage des activités, des pratiques spirituelles, comme les rituels, le ressourcement, la guérison, la construction d'une relation avec le vivant. Okay. Et finalement, la dernière, en fait, c'est parmi les pratiques, il y en avait qui répondaient aussi à un objectif économique, tout en étant réalisé à partir des connaissances culturelles du territoire. Donc, on peut penser à la cueille de bleuets ou à l'alimentation, à aussi la confection de mets typiques lors d'événements organisés tels que les powwows, mais bien d'autres. Donc ça, c'était pour tous l'ensemble des pratiques qui, en fait, leur vont être organisées. Dans le fond, toute la vie sur le territoire répond à un système d'organisation de l'occupation. Oui. Puisque mon projet a mis en évidence, en fait, c'est qu'il y avait certains territoires dont les frontières s'étaient stabilisées dans l'histoire, dans le temps, pour pouvoir répondre au contexte contemporain, pouvoir dialoguer avec le système occidental de territoire, de frontières. Mais il y a aussi tout un système, il y a d'autres systèmes de territoire dont les frontières ont conservé leurs frontières dynamiques, perméables, flexibles. OK. Donc, quand je parle, dans le fond, les territoires dont les frontières ont dû se stabiliser, il y a le Nitaskinan, qui est le territoire ancestral. OK. Ensuite, au sein duquel il y a tout un... Dans le fond, il y a un ensemble de territoires familiaux dans les trois communautés, en fait, il y a plusieurs territoires familiaux présents sur le Nitaskinan qui, dans le fond, les frontières se sont davantage stabilisées dans le contexte de consultations forestières.
Et finalement, au sein de ces territoires familiaux-là, se trouve un système de territoires aux frontières dynamiques. Donc, quand je pense à ces territoires-là, en fait, je pense aux sites de camp, aux territoires de chasse de subsistance, aux zones de pêche, aux circuits de déplacement et aux lieux de mémoire. Okay. Parmi ces territoires-là, en fait, il y en a qui vont prendre la forme de zones d'occupation présentes sur le territoire, alors que d'autres vont davantage répondre à un réseau de sentiers, de chemins utilisés, d'itinéraires. Donc, ensuite, si on poursuit, dans le fond, la dernière composante qui comprend, donc on a vu les ressources, l'ensemble des familles de ressources, ensuite on a vu les activités autour de ces ressources-là qui étaient pratiquées. Ensuite, comment ça s'organise au territoire? C'est dans un système d'organisation de territoire aux frontières stables ou dynamiques. Et ce qui permet d'assurer finalement une utilisation, une occupation du territoire qui est respectueuse avec le territoire lui-même, c'est le système de gouvernance Atikamekw qui est en place. Donc, je fais référence à la fois aux instances, aux structures, aux règles, mais aussi aux principes et aux valeurs qui permettent d'organiser, de gérer les activités et finalement afin de ne pas déséquilibrer le territoire. Donc, c'est dans cette perspective-là, en fait, que j'ai abordé l'Atikamekw Nehruziu Tsipaïskan, qui est le système de gouvernance Atikamekw, qui comprend différents processus de gouvernance. Donc, les codes de pratique et d'éthique sont des codes liés aux activités de prélèvement des ressources. Ensuite, on a les ententes territoriales qui vont être des ententes qui vont être faites, entre autres, entre les familles liées à l'occupation et l'utilisation du territoire. Ensuite, il y a tout un système de valeurs, de principes culturels. Et ce que je vais davantage accorder d'importance aujourd'hui avec vous, c'est les responsabilités de gouvernance territoriale qui sont assumées par différents acteurs de gouvernance. Donc, il y a les familles, les aînés, les chefs de territoire, les conseils de bande et le conseil de la nation Atikamekw. Et en fait, aussi, ce qui ressortait du projet puis des discussions que j'ai eues avec les membres de la famille puis le comité expert Atikamekw, c'était que les responsabilités qui étaient prises par les familles, les aînés, les chefs de territoire, cette gouvernance-là, en fait, concernait davantage les interactions avec Nechimik, avec le territoire, alors que les responsabilités, la gouvernance faite par les conseils de bande puis le conseil de la nation vont davantage, ça va concerner les interactions avec la société occidentale. Donc, ils jouent un peu le pont entre les deux systèmes de gouvernance. OK. Donc famille aînée puis chef de territoire, c'est plutôt interne. Puis les deux autres en place facilitent là, la communication, essayent de faciliter la communication avec les allochtones. Okay. Oui, exactement. Donc, au niveau des familles, en fait, ils ont un rôle au niveau de l'occupation des territoires familiaux. Ils vont avoir la responsabilité d'appliquer un suivi, une surveillance de l'état du territoire, des ressources, vont appliquer les décisions aussi des chefs de territoire, donc les Kaniganiwitch, vont aussi avoir la responsabilité de partager les ressources, les expériences, les observations qui proviennent de leur territoire familial auprès des autres membres, en fait, de ce territoire-là. Donc c'est ça la responsabilité, en gros, dans le sens que ils ont la responsabilité de se promener et de faire des observations et de les partager en temps réel au fil des générations. D'accord. Exactement. Puis, c'est ça. Puis après, en fait, fait que ça, c'est comme la base, c'est comme toute la fourmilière qui est sur le territoire, qui prend... qui observent, qui tout le temps, en faisant leurs activités, vont observer le territoire, vont y prendre note et être au courant de ce qui se passe, c'est quoi les changements, c'est quoi... Et ensuite, puis vont le partager auprès des autres, dont les chefs de territoire. Ensuite, on a les aînés, en fait, qui ont un rôle de conseiller auprès de la famille.
Ils vont participer à la transmission des codes de pratique, d'éthique, à l'établissement d'entente, donc finalement aux autres, à la mise en place des autres procédés de gouvernance. Le chef de territoire, en fait, a un rôle de gardien du territoire et de la culture. Donc, c'est lui qui s'assure que les ressources ne sont ni épuisées ni gaspillées au sein de son territoire familial, va maintenir à jour les connaissances territoriales, va s'assurer du respect des règles, des pratiques coutumières. C'est lui qui va indiquer où aller chasser, où aller pêcher selon la santé du territoire, puis les observations qui sont faites. Et finalement, va avoir aussi un rôle au niveau de la défense, de défendre le territoire lors des consultations. Donc, c'est vraiment le chef de territoire, c'est un acteur clé au niveau, et très important au niveau de la gouvernance atikamekw du territoire. Ensuite, au niveau, rapidement, en fait, au niveau des conseils de bande et du conseil de la nation, ils vont avoir un rôle au niveau de la revendication de s'assurer le respect de leurs droits ancestraux, au niveau de répondre aux besoins des chefs de territoire et de leurs familles. Donc, il y a vraiment, c'est ça. Donc, ils font un pont à ce niveau-là. D'accord. C'est clair. C'est très apprécié. Donc, fait que si je reprends, en fait, toute la représentation que je vous ai présentée aujourd'hui, donc au niveau des ressources, des pratiques atikamekw, la gouvernance, l'organisation, en fait, c'est une représentation du système dans lequel est gérée, organisée l'occupation du territoire sur le Nitaskinan et qui comprend finalement plusieurs niveaux d'interaction avec le territoire. Donc, lorsqu'on aborde le territoire, en fait, une question liée au territoire, il faut penser que ce système-là est comme constamment en background et que c'est toutes les composantes qui vont considérer et les répercussions que ça va avoir sur ces composantes-là qui va faire partie de leur manière de réfléchir et des enjeux qu'ils vont soulever. Très, très, très englobant. Donc, c'est dur de répondre précisément. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui se tient ensemble. Oui, ouais, puis c'est un peu dans cette perspective-là, en fait, aussi, la vision holistique, c'est qu'on, à la fois, on tient compte des ressources, ils vont se sentir responsables par rapport aux ressources, à la santé du territoire. Mais la poursuite des activités, ils vont vouloir. Puis pour ça, ils ont mis en place tout un système de gouvernance, un système d'organisation du territoire pour faire finalement le lien entre les choses et c'est ça, pouvoir s'adapter finalement pour maintenir l'équilibre. Donc, il y a pour eux, c'est très important la santé du territoire, mais c'est aussi ce qui va permettre d'assurer la pérennité puis la santé de leur culture aussi. Donc maintenant, si on regarde du côté de... On se remet dans le contexte de gouvernance forestière au Québec, dans le cadre de la gouvernance en forêt publique. On part du territoire, de ses ressources, qui, en fait, est un territoire finalement qui est habité. Et du côté autochtone, on a tout un système. Le premier niveau de gouvernance va être fait par le système familial qui s'inscrit dans le système de connaissances autochtones. Ensuite, on a les conseils, la gouvernance faite par les conseils qui, pour être au courant de ce qui se passe, des enjeux du territoire, va consulter les familles, les chefs de territoire. Du côté du ministère, en fait, la gouvernance s'inscrit dans le système de connaissances occidentales. Donc, il va s'appliquer à court terme au niveau des interventions forestières et à long terme au niveau de la planification forestière. Donc, à court terme, on va consulter, en fait, les deux types de gouvernance autochtone, atikamekw dans notre cas, par l'entremise de l'harmonisation forestière. Mais il faut se rappeler, c'est quand même dans un contexte, mettons par exemple les PRAN, c'est très opérationnel comme information, comme consultation qu'on cherche
qui va être en fait interpellé dans ce cadre de consultation. Et ensuite, si on regarde au niveau de la planification à long terme, dont les plans quinquennales qui reviennent à tous les 5 ans, le ministère va davantage consulter les conseils dans le cadre d'établir des consultations distinctes. Et en fait, ce que mon travail permet de mettre en évidence, en fait, c'est qu'il y avait toute une connaissance dynamique qui n'était pas prise en compte dans l'aménagement du territoire et en fait, qui manque. Pour arriver à un aménagement qui est durable du territoire, des forêts, ce qui manque, c'est l'intégration des connaissances territoriales autochtones, de leurs enjeux aussi. Et si on remet ça, donc toute la sensibilité, en fait, du territoire, tout ce suivi qui est constant, qui est toujours mis à jour, en fait, de leurs observations, de comment se passent les réactions du territoire, les dynamiques qui changent et tout ça. Donc, c'est cet élément-là, en fait, qui n'est pas pris en compte actuellement, mais dans un contexte de changement climatique, en fait, le défi est le même. C'est ce qui manque dans notre regard, c'est de travailler à intégrer à long terme les connaissances du territoire, le système de connaissances dynamiques du territoire, des connaissances autochtones, qui sont, mais de manière à, dans le fond, dans notre manière aussi d'aborder, qui peut teinter en amont notre manière d'aborder les changements climatiques. Cette facilité agile de s'adapter parce qu'ils sont en rétroaction souvent avec avec leurs contacts de la forêt. C'est ce que tu veux dire, hein, Marie-Laure, c'est ça? Oui, exactement, en fait. C'est que ça fait, dans le fond, ce système d'adaptation ça fait des millénaires, en fait, qui évolue, là, puis qui continue à évoluer, mais c'est une sensibilité au territoire, puis cette capacité d'adapter leurs activités pour pas que leurs activités nuisent au territoire et puissent assurer la pérennité, finalement, de leurs activités. Fait que comme d'essayer de maintenir, de s'adapter pour conserver un équilibre entre leur utilisation, leur occupation du territoire et le territoire lui-même et tout ça, donc pour faire partie du territoire finalement. Donc, fait que c'est ça. Fait que, Miguel, je vous remercie en fait pour votre écoute. Puis c'est ça, j'espère que j'ai éveillé votre intérêt à intégrer les communautés autochtones dans les réflexions par rapport au suivi en fait, des changements climatiques, puis réfléchir avec eux comment développer, puis s'outiller pour être plus apte à s'adapter aux défis qui s'en viennent. Fait que voilà. Merci, Marie-Laure. Mais quel beau exposé aussi pour plusieurs. Un gros transfert de connaissances. C'est pas du contenu qui est facilement accessible et ta maîtrise là, nous permet d'avoir une fenêtre très formidable sur le sujet. Marie-Laure, encore merci. Présentement avec Nicolas Pinceloup. Très heureuse. Il fait partie de la nation Abénaki au niveau des changements climatiques et j'ai très hâte qu'ils nous parlent de leurs travaux. Alors à toi la parole, Nicolas. Allez, Anne. Bonjour, je m'appelle Nicolas Pinceloup. Comme disait Karine, je suis agent de projet en adaptation au changement climatique pour le bureau du Ndakina du Grand Conseil de la Nation Wabanaki. Je coordonne la mise à jour du plan d'adaptation au changement climatique de la Nation ainsi que différents projets en lien notamment avec le frein de mort et il me fait plaisir de participer au comité aviseur en sylviculture auquel on a été invité. Pour vous présenter un petit peu la nation Abénaki ou Abénaki fait partie des peuples algonquiens présents dans le nord-est américain. Elle regroupe deux communautés périurbaines, Odanak et Wolinak.
totalisant un peu plus de 3000 membres, localisés majoritairement au Québec et aux États-Unis. L'ethnonyme Wabanaki est le résultat de la contraction du mot Waban, aurore, et Aki, terre, qui mis ensemble signifie peuple de l'aurore ou peuple de l'Est. Oh, c'est beau, d'accord. Les membres des communautés Abénakis, Dadanak et Olinak entretiennent une forte relation avec leur environnement, qui est à la base de plusieurs activités de leur quotidien, dont la chasse, la pêche, la cueillette, des activités spirituelles et culturelles, l'artisanat et bien d'autres. Cette relation peut toutefois être affectée par les conséquences des changements climatiques en cours et à venir. Donc en 2015, à une époque où moi je n'étais pas en poste encore, un premier plan d'adaptation au changement climatique a été élaboré avec la consultation des membres de la nation. Puis le plan d'adaptation au changement climatique fait vraiment ça, il fait le lien entre des savoirs traditionnels ancestraux, la perception des membres de la nation face au changement climatique, comment est-ce que les membres souhaitent agir et réagir aux conséquences et comment ils souhaitent s'adapter. Et en même temps, il allie ça avec la science moderne, les connaissances scientifiques, toutes les modélisations, les résultats qu'on a, les rapports du GIEC, etc. Tout ça sont mis ensemble pour avoir une vision, pas une vision double, mais une vision qui allie deux points de vue qui sont complémentaires et qui, pour la nation, sont essentiels. Fait, moi, mon rôle, ça va être de mettre à jour le plan d'adaptation. Donc, dès que je vais pouvoir le faire, j'irai dans les communautés pour rencontrer les membres et avoir leur vision de comment s'adapter. On va allier ça avec les dernières connaissances. En 2015, il y a eu beaucoup de. Le plan a mis à jour beaucoup de conséquences du changement climatique sur lesquelles la nation veut agir et sur lesquelles elle se sent plus touchée. Notamment, il y avait les périodes de verglas et de redoux hivernales plus fréquentes, la hausse des températures et des précipitations en hiver, de même que la diminution des précipitations en été, l'augmentation des périodes de chaleur accablantes, qui sont plus fréquentes et plus intenses, l'augmentation des risques d'inondation et l'augmentation de l'érosion des berges. D'ailleurs, depuis 2019, un important projet sur l'érosion des rivières Saint-François et Bécancour est en cours, qui allie l'évaluation du patrimoine archéologique et les changements climatiques. Il y a d'autres conséquences qui sont perçues par la population et qui sont en lien avec l'environnement, puis comment est-ce que les gens vivent le territoire, notamment la modification de l'aire de distribution du chevreuil vers le sud, l'augmentation de la population de dindons sauvages, la modification des zones de végétation, notamment les arbres, la disparition des petits fruits, la modification du petit gibier et l'augmentation forte de la présence des tiques qui est un frein réel à l'exploration du territoire et à l'utilisation du territoire. Parmi ces conséquences, on voit qu'il y en a certaines qui sont liées à la foresterie directement. Par exemple, pour la nation Wabanaki, comme pour d'autres Premières Nations, le frêne noir est une espèce d'importance, autant du point de vue économique pour la production de paniers que du point de vue culturel, cosmologique et on pourrait presque dire sacré. Alors le frêne noir est fortement touché par la grille du frêne, un insecte envahisseur qui attaque et tue près de 98% des individus qu'elle infeste. De plus, le frêne noir étant une espèce poussant entièrement en bordure des milieux humides, les changements dans les patrons de précipitation et de température risquent d'impacter son environnement. Cette double menace qui pèse sur cette espèce est inquiétante pour sa survie et d'autres activités ancestrales qui lui sont associées. Il semble que pour la nation, il est essentiel de faire partie d'un comité aviseur en sylviculture en lien avec les changements climatiques parce que la foresterie va impacter sur les droits ancestraux de la nation. Donc, ben voilà, c'est un petit peu ma présentation. Super. Pour le futur, il y a des plans? Il y a des plans qui se construisent ou... Oui, il y a, ben, en lien avec le changement climatique, il y a la mise à jour du plan d'adaptation au changement climatique qui va commencer dès que je reçois une réponse des financements. Et on a un projet sur le frêne noir qui est en cours, qui a commencé, en fait, parce que le COSEPAC a soumis une demande pour la mise de l'espèce sur la liste des espèces en péril, donc le frêne noir. Et donc il y a eu des consultations avec différentes nations qui ont eu lieu pour voir quelles seraient les conséquences de cette mise sur la liste des espèces en péril pour les membres de la nation. Et la nation a fait des inventaires sur le Ndakina, donc le territoire ancestral, pour trouver des peuplements de frêne noir et on continue ces inventaires cette année. Et on aimerait aussi mettre des stations de suivi pour noter l'infestation par la grille et pouvoir suivre les peuplements dans le futur avec comme visée la production de paniers, en fait, de pouvoir récolter la ressource et aussi de pouvoir la protéger
Donc, on a ces projets-là en partenariat avec différentes universités et différents partenaires. Et on va commencer par la fin. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Je pense que tu es biologiste Oui, et je te laisse aller pour la suite. parfait. Donc, moi, je suis français, donc à Loctone. Je suis arrivé au Québec en 2016. J'ai finalisé une maîtrise à l'Institut de recherche en biologie végétale, maîtrise en écologie des milieux humides, et j'ai travaillé en plantation d'arbres durant la pandémie avant de commencer mon emploi au Grand Conseil de la Nation, il y a environ un an maintenant.